Eh bien bonjour à tous, c'est Doc et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, j'allais dire l'épisode 17, mais je crois que c'est le 18 en fait, de Bellerophon sur Greypolis. Donc on va commencer direct, hein, comme vous avez pu, c'est une petite OP que je me suis fait hein, ce week-end, tout simplement pour fêter un peu les 100 millions de PC. La dernière fois j'ai fait l'épisode, parce que je vous explique qu'il me fallait un épisode en urgence pour mercredi dernier, parce que le mercredi dernier vous n'avez déjà pas eu d'épisode, donc malheureusement il fallait que j'y aille. Du coup, je me suis fait enfin l'OP des 100 millions, alors j'avais déjà dépassé 100 millions, mais c'est pas grave, je me suis fait quand même 1,1 million de points de combat sur 2 jours. Premier jour, j'ai attaqué ce qui va être tout ce qui va être TER, les révoltes et tout. Et deuxième jour, j'ai fracassé des murs de Bibi, tout simplement. Alors, par contre, il m'a coûté pas mal de bonus, comme c'était sur 2 jours. En fait, malheureusement, j'ai dû utiliser. Alors, le premier jour, j'utilisais des bonus d'ici, les bonus on va dire, un peu nuls. Et le deuxième jour, j'utilisais un des bonus que j'ai en x2 qui dure 12 heures. Donc, ils sont devenus très rares, ils sont plus distribués, donc malheureusement, ça en fait encore un de moins. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai encore 8 au total, donc de quoi s'amuser pendant toute l'année prochaine, je pense. Après, on n'en aura plus. Après, à voir déjà si Crépolis sera encore debout d'ici là, de toute façon. Donc, autant les utiliser, écoutez, on s'amuse, on est là pour s'amuser avant tout. Alors, j'ai eu 2 médailles du coup de meilleur attaquant, donc on va aller voir ça tout de suite. C'est plutôt sympa, vous voyez, je suis bien dans le top 100 des farmers, j'appelle ça. Ça se fait pas. Non, c'est le top 100 du nombre de points, mais c'est vrai que c'est le classement le plus éclaté de tous les classements. Toujours top 5, du coup, on va aller voir tout de suite. Ça va bien s'afficher, ça s'affiche pas. Voilà, j'ai 101,14 millions, 100 millions et 140 000, et j'ai 133 médailles, donc j'ai eu simplement 2 médailles journalières. À savoir que j'ai pas beaucoup de slots, hein, j'avais genre 3 slots, 2 slots, je sais même plus. Bref, j'avais vraiment très très peu de slots en fait, et je les utilisais du coup pour rendre 2-3 villes, parce que je suis toujours sur faire un peu plus de perma et tout en ce moment. Donc je me suis retrouvé avec 2-3 villes en plus, mais vraiment pas grand chose d'hyper important. Au niveau du classement, on va aller voir tout de suite le classement. Alors attendez, c'est hop, attaquant. Attaquant, voilà, donc je vous ai demandé un peu les objectifs et tout. Donc, la plupart m'ont dit, voilà, monter un peu le classement attaquant, tout ça. Donc, on continue de le monter tranquillement. J'ai encore gagné une place. J'ai doublé Morphos lors d'un dernier OP. Du coup, j'ai mis 400 000 d'avance. À savoir que Nado et Liodoc, qui est un peu nos objectifs ces derniers temps. En tout cas, en épisode, bon, voilà, Nado il a 1,6 million et Liodoc il a 2,5 millions en gros. Bon, visiblement, ils ne devraient plus nous rattraper. Donc, eux, normalement, c'est réglé. Morphos peut encore nous doubler. Et je suis à 1 million de points, par contre j'ai 1 million d'écart avec Meloche qui est juste devant moi pour aller dans le top 20. Donc pas sûr que je l'ai à la prochaine OP. C'est possible que je l'ai dans le prochain épisode ou si je fais d'autres choses. Mais voilà, grosso modo, prochain épisode, on va se classer vers la 20e position. Donc peut-être gagner encore une position. Au niveau du classement des attaquants, bah, écoutez, toujours dans le top 5. Cette fois, voilà, on est 5, bah, les 5 joueurs à plus de 100 millions de points. Donc toujours là. Vous m'avez donné aussi pour objectif de peut-être essayer de doubler Dionysos. Donc pourquoi pas, en vrai, il n'est pas si loin, on est qu'à 9 millions de lui. Donc. En quelques mois, je pense que c'est envisageable. Je sais pas. À voir comment il évolue aussi de son côté, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On va aller voir un peu les remparts. Après, c'est pas passé grand-chose. Hein. Je vous avoue, j'ai juste fait mes OP. J'ai farmé pendant 2 semaines. J'ai refait mes OP. Et voilà. Alors, dans les vaincus, bah, comme d'hab, vous voyez que énormément de def. Hein. C'est catastrophique le front. Les ennemis, ils ont énormément de def. Regardez un peu. J'ai pété 30 000 bibis, 11 000 trières, 2 000 miliciens, 22 000 combattants à l'épée, 19 000 archers, etc. Au niveau des pertes, bah, vous voyez que des pertes attaquantes, hein, 49 000 BF, etc. Donc des pertes plutôt attaquantes. Pas de BTR. Ah si, 41 BTR, j'ai perdu seulement. Franchement, je suis bien sorti. Vu toutes les troupes que j'ai perdues, 41 BTR, je trouve que je suis pas mal rentable. Mais vaincu en tant que défenseur. Donc je me suis fait un petit peu attaquer. Oui, je me suis pris. Bon. Franchement, on s'en fout, je crois qu'on va zapper un peu ça, mais en gros, ah si, il y a un moment qui est marrant quand même, c'est que je me suis pris 60 attaques de deux joueurs, donc qui étaient Cougar et. Bon, vous verrez ça tout à l'heure, mais Cougar et un autre joueur, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Dédé sur une ville, 60 attaques pour la vider, il y avait juste deux full permatués. Ils l'auraient pas vidé, ça m'aurait un petit peu étonné, mais bon, pourquoi pas. Donc ils ont réussi à la vider, je me suis fait aussi attaquer par Dionysos quelques fois. On dira pas voir les rapports parce que c'était entre les deux épisodes, pour on s'en fout, genre c'est juste Joe qui m'a attaqué, je me suis fait quelques PC, etc. Notamment ça, il a dû avoir ça dans les sorts, en fait, tout simplement, dans les events. Donc, ils m'ont envoyé ses unités mythiques, machin, ils se sont écrasés, et puis, plus Banzai, on n'en parle plus. Et ça, du coup, c'est ce que j'ai perdu en défenseur, donc pas grand-chose. Mais alors, par contre, ce que j'ai remarqué qui est cool, c'est que si je mets là, non, pas du tout, voilà, si je me mets là, en gros, regardez, je peux regarder par rapport au début du LP. Donc, en tout cas, non, pas le début du LP, du coup, c'est le début de quand on a commencé à regarder les remparts, donc le 1er août. Donc, il y a seulement. Il n'y a pas longtemps en fait le premier août, hein, ça fait seulement 5, 4 mois, c'est début août, on va dire 4 mois et demi. Hop, on clique dessus, voilà, depuis 4 mois et demi, regardez, j'ai fait quand même des bonnes stats, hein, 80 000, 18 000, 80 000, 56 000 tués, 4 000, 31 000, 151 000 bibis, etc. Donc
63 000 trières, donc les trières, vous pouvez voir que c'est la moitié de mes trières que j'ai tué assez récemment. Donc je suis plutôt content du résultat. Vaincu en tank défenseur, donc pas tellement def, enfin pas tellement. C'est pas trop mal non plus, hein, 40 000 au pli, 97 000 frondeurs et tout. En vrai, c'est là qu'on se rend compte en fait quand on prend sur plusieurs mois, on se dit mais what the fuck, c'est totalement énorme, genre les résultats sont totalement cassés. C'est vraiment impressionnant, je vous invite à regarder perte en tant qu'attaquant, 133 000, 218 000, 43 000, 11 000 catapultes, enfin genre j'ai perdu 300 000 BF. Voilà, c'est un carnage les gars. Enfin bref, du coup voilà, c'était un peu pour vous montrer ça, j'ai trouvé ça l'autre fois, je me suis dit mais c'est super cool à voir et tout en fait. Du coup là, sur les 4 mois et demi derniers, j'ai quand même fait énormément de cassage. Alors c'était c'était non, c'était pas les dernières, c'est sûr. Non, c'était 4 mois et demi de là, donc plutôt content du résultat. Allons voir les rapports tout de suite. Bon voilà, regardez, c'est un petit peu des rapports. Je vous disais, voilà, Dionysos, j'ai retrouvé. Qui m'attaquait, voilà, le jour avant que je fasse mon OP. Tout simplement, regardez, je me suis pris mal d'attaque sur les racks animales, comme d'habitude. Bon, pas grand chose à voir. En vrai, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans les statistiques hein, de def. On s'en fout un peu, là c'est de la def. Ouais, en gros, il m'a tapé, ça fait des dégâts, je me suis fait un max de PC, tout le monde est content, je n'ai pas perdu de ville. En gros, pour résumer la situation. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est à partir de là. Hop, 32 pages de rapport, j'ai supprimé les rapports de soutien. Moi, je vous le dis, les gars, accrochez-vous, on est encore parti pour un épisode de 40 minutes. Voilà, vous pouvez voir que les ennemis, quand même. Alors, Odin n'avait pas l'air connecté. Vous pouvez voir que voilà, certains ennemis, vous allez voir, ils sont plutôt blindés. Notamment, Dionysos, je n'ai pas trop attaqué parce que Dionysos était connecté. Il m'a lancé des sorts, je crois, au moment où il m'attaquait en même temps, à un moment, je sais plus trop. Bon, bah, toujours est-il que du coup, j'ai dû un peu revoir mes plans. D'ailleurs, je suis en train de voir les 32 pages de rapport. Non, en fait, on ira voir les rapports jusqu'au lendemain matin. Du coup, jusqu'au 13 au matin. On n'ira pas voir plutôt. Alors, pour voir que je me suis levé un peu tard. On va pas se mentir, j'avais prévu de faire l'OP parce que j'avais rien de prévu. C'était quand le 12, c'était dimanche. J'avais rien de prévu ce dimanche. Du coup, je m'étais dit, je vais essayer de me lever tôt pour faire l'OP. Je me suis dit, il était 10h30. Je me suis dit, ouais, bah c'est super, ça commence bien. Oh, au final, j'ai fait un max de PC, je suis plutôt content. Alors, du coup, sur les 1,1 million, je crois que j'ai fait un peu prendre. On ira voir tout à l'heure, on ira voir sur Grepodata. J'ai dû faire 1,1 million. Non, n'importe quoi, 1,1 million sur le total. J'ai fait 700 000, je crois, le premier jour. Et le deuxième jour, en fait, j'ai attaqué Kuga, à qui j'ai mis plusieurs révoltes. Ah oui, nombre de révoltes, j'ai mis à peu près. Ah, je vais peut-être dire une grosse bêtise, je crois que c'était 58 révoltes. Bon, c'est dans ma moyenne, hein, grosso modo. Quand je me fais une OP, je suis toujours entre 50 et 70 révoltes, ce qui me permet après de prendre les villes où il n'y a pas de def, tout simplement, je fais pas trop chier. Mais je tape les murs de def, s'il me reste un peu de BF, hein, toujours. Hein. Toujours pour le plaisir, bien évidemment. Voilà, donc toujours est-il voilà, que j'ai mis une cinquantaine de révoltes, j'ai pris 3 villes. Parce que j'avais 3 slots, je me suis pas trop foulé honnêtement dans les prises de villes et tout. C'était plus. J'ai vu des villes, j'ai fait, vas-y, j'envoie. J'envoie et on voit ce que ça donne. Après, je garde mes slots un petit peu en ce moment, parce que j'aurais pu en avoir plus, mais quand je récupère des villes à côté à crack, pour me faire de la def, en fait, tout simplement, du coup, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'étais assez content sur le dernier épisode. C'était assez marrant, parce que le dernier épisode, finalement, il n'a pas fait énormément de vues. Enfin, à l'heure actuelle, hein, les vues, en fait, sans sur mes vidéos Grepoulis, c'est que les vues continuent à se faire un petit peu sur du long terme, hein, c'est-à-dire que les gens continuent de voir les vidéos, même 3 mois, 6 mois, 1 an après la sortie. C'est un des avantages d'être le seul, je crois, actuellement, YouTubeur Grepo. Enfin, il y a des fois des Français qui font une vidéo ou deux, mais ils arrêtent vite. Et puis, ils sont pas forcément de qualité exceptionnelle. Du coup, ouais, je suis un peu le seul YouTubeur Grepo sur le milieu. En vrai, c'est plutôt cool. Hein. Du coup, moi, ça m'arrange bien ça arrange bien ma vie. On va pas se mentir. Mais ouais, les vidéos font un peu de vues. Donc là, pour l'instant, elle était dans les 90 vues, je crois. J'ai pas regardé aujourd'hui, en fait. Je sais plus. C'est pas bien grave. Mais il y a pas mal de commentaires. Ça m'a fait plaisir. Je crois qu'il y avait. Oh, vous avez vu les BF, ça fait plaisir, ça. Ah, regardez la Villa Dédé. Elle est devenue à mon nom maintenant, donc ville qui a dû être perdue. Là, on a vu passer une Cracovie, donc Cracovie, c'est là où je vais casser le lendemain toutes les bêtes, simplement. J'attaque ce joueur, Ghost, des fois. En fait, ça dépend. Si j'ai des troupes à proximité, je l'attaque. C'est un gars, on n'est pas en guerre, pas en alliance, on n'est rien, en fait, pour lui. Je sais pas, je me dis, allez, Banzai. Ou il s'appelle Jujube, l'alliance, c'est Ghost. Non, le joueur, c'est Ghost, et l'alliance, c'est Jujube. D'ailleurs, je sais pas s'il joue encore, mais je crois qu'il jouait plus d'ailleurs. Mais je crois qu'en fait, l'alliance Jujube, ça vient d'un autre joueur. Le gars, il a écrit une alliance à son nom. Il m'a dit que c'était moi qui étais mégalo avec mon alliance qui s'appelait le Saint-Empire Acaïussien. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Du coup, d'ailleurs, j'en profite, on va continuer à faire des petites pubs pour Minecraft. La série Minecraft, bah, écoutez, ça avance tranquille, le serveur, ça avance tranquille. Si vous voulez rejoindre, il y a l'IP du serveur Minecraft hein, qui est toujours en description des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour écrire votre ville et tout. Bah, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que hier, je sais que ça n'a rien à voir avec votre communauté et tout, mais
Hier d'ailleurs, on a battu notre record de connexion, on était 10 de connectés en même temps. Ah bah dis donc. Je vois que quelqu'un a profité de mes attaques. Alors qui a profité de mes attaques pour prendre des villes en même temps? Jamal, il a profité de mes attaques, vous voyez, pour prendre des villes au final. Quel coquin ce Jamal. Enfin, ça se trouve, il a pas du tout fait exprès. Enfin, c'est sûr, ça doit être complètement par hasard qu'il a attaqué. Ça se trouve, il a évité avant moi. Mais voilà. Oh, ça fait toujours plaisir, vous voyez. Vous faites la revue des rapports et là, vous voyez que des alliés ont pris des villes, ça veut dire. Bon, allez, ça a été utile, pas pour moi d'attaquer, visiblement. Après, voilà, c'est vrai que quand on met genre une bonne cinquantaine de révoltes aux ennemis. Oh là, Odin. Ah oui, cette ville. Vous avez dû voir pas mal d'attaques sur cette ville. Là, je sens Raitoma. En gros, c'est une ville qui blinde à chaque fois, mais à chaque fois, on pète les remparts et on fait un carnage. Regardez-moi ce massacre à l'intérieur. C'est n'importe quoi. Ouais, du coup, je dis forcément quand je mets par exemple cinquantaine de révoltes, alors même si c'est pas fait exprès et tout, même si je dis pas pour dire en mode ouais, vous gagnez grâce à moi. Loin de là, mes alliés sont extrêmement forts de manière générale. Hein, ils sont, tout le monde est autonome quasiment dans notre alliance, enfin dans notre coalition en tout cas. Mais ouais, c'est toujours plaisir de voir ça, parce qu'on se dit ouais, ça n'a pas été inutile quoi que ce soit d'attaquer. Forcément, des gens ont pu profiter de la diversion, même sans savoir que j'attaquais ou quoi que ce soit, pour prendre des villes à leur tour. Donc au final, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'alliance, tout ça. Bah écoutez, je vais pas vous mentir, je vais jamais sur le forum. Je passe juste vite fait voir les sujets de def, mais la plupart des sujets. En fait, on a des joueurs qui sont spécialisés, on va dire, dans la défense de manière générale dans notre coalition. Du coup, c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui s'occupent de la défense, et nous, au final, bon, on attend un peu. Enfin, les joueurs off comme nous, on se. Je sais qu'on a qui se coordonnent sur le forum. Honnêtement, moi, c'est pas trop mon délire. C'est-à-dire les opérations de groupe, les machins, les trucs. À la limite, si on me dit tel jour, on fracasse tout, ça peut m'intéresser. C'est vrai que par contre, quand c'est des OP très spécialisés sur un joueur, une zone précise, une mer précise, en fait, c'est pas tout à fait ma technique de jeu, si vous voulez. Je préfère être dans mon coin, faire ma petite vie et tout. Des fois, ça j'entends un peu en carambolage avec des alliés. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui attaquent le même jour que moi. C'est pas très cool, mais bon. On s'adapte. Mais après, voilà, de manière générale, franchement, ça se vient. Après, c'est pour ça que j'étais notamment en mer 78. Faut savoir que pendant un moment, j'étais le seul en mer 78, quasiment. Hein. Il y avait juste. Il y a juste Crack qui a quelques villes maintenant, mais je crois qu'il a pas mal augmenté comme ces derniers temps. Attendez, je bois un petit peu d'eau, j'ai un petit peu soif. Vous m'entendez boire en même temps, ça va être cool. Ah, voilà, je disais, il y avait genre juste Crack qui avait quelques villes en 78. Maintenant, je crois qu'il en a 40 et moi j'en ai 100. On va pas aller voir le truc, j'étais le voir hier ou avant-hier. Hein. Je vous dis les chiffres comme ça, mais si avant-hier, donc en 78, ouais, c'est vrai que je suis le seul de la cour. On ira voir, tiens, on ira voir quand même. Si on peut aller voir maintenant. Joueur mer. Voilà, en 78, parfait. Voilà, vous voyez, je suis le seul de l'Aqua, j'ai 98 villes. Et après, voilà, il y a Crack qui est là, qui a 40 villes. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans notre alliance maintenant, Crack. Est-ce qu'on a. Voilà, on n'a même pas d'autres alliés. Non, visiblement, voilà, il n'y a que moi et Crack. Bon, Crack, il monte pas mal. J'ai vu, il a pris des villes et tout. Donc, il fait sa petite vie. Il est en train de débarquer aussi. Moi, j'ai 98 villes. Vous voyez que les ennemis ont quand même beaucoup plus de villes, notamment mon ami Dionysos, qu'on a vraiment beaucoup. Du coup, voilà, c'était un petit peu pour la partie. La partie mer 78, donc moi ça me va bien, honnêtement. Je préfère être seul dans une mer parce que je vois par exemple en 67, il y a pas mal de monde déjà qui a été. Il y a Reito, il y a Mito, bah Crack, je crois qu'il y a aussi. Je crois qu'il y a Nado aussi. Il y a Phoenix, il en est parti, je crois. Il y était, mais il est en train de partir. Enfin, ouais, visiblement, il y a pas mal de monde qui se tape l'incruste en 67. Alors, visiblement, il y a des beaux combats. Oui, ville de Kinyan, ce qui a fini par tomber, mais visiblement, il y a des beaux combats en 67 qui se préparent. Même chez les ennemis, ils ont envoyé du renfort. Alors, je ne connais pas trop le genre. Je crois qu'il y a McQueen qui est descendu un petit peu du nord pour voir ce qui se passe en 67 et tout. Donc, visiblement, ouais, la 67 est en train de beaucoup bouger. Il va y avoir des gros combats en perspective. J'ai quelques villes en 67. Donc, possiblement, ça peut être un prochain secteur pour moi pour me développer en fait en 67. Ça peut devenir un secteur intéressant. Je peux clairement me faire quelques villes là-bas. Mais bon, pour l'instant, je préfère garder mon petit coin tranquille en 78. En vrai, je prends mes villes à la frontière 78-68. On rigole, mais la frontière, je la sécurise plutôt pas mal à l'heure actuelle. J'ai 100 villes à la frontière, en fait, la frontière est en grande partie maîtrisée par moi. Crack a 6 villes dans le même coin, donc en vrai, on a pris largement le dessus sur la frontière 68-78, donc ça fait plutôt plaisir. Alors que pour rappel, il y a quelques, j'en ai déjà parlé dans un épisode, mais il y a quelques mois, voire années, la mer 68 était contrôlée par les ennemis. Hein. Maintenant, on est premier de la mer, et en plus de ça, la frontière, on va dire 68-78, c'est vraiment leur dernier bastion ennemi. Alors ça encore, si on regarde leur nombre de vies d'un mer, oui, effectivement, on peut dire que c'est encore leur bastion, cette mer-là. Mais concrètement, là, le,
enfin ce côté de la mer. On est très très bien installé, on est presque égal, on doit être égalisé à peu près avec eux en fait, à quelques joueurs à peine. Et du coup, ouais, ça facilite beaucoup les choses, hein, concrètement. Comme ils sont beaucoup moins actifs et beaucoup moins coordonnés que nous. Alors, coordonnés, c'est pas vraiment le mot que je veux dire. Je veux dire, j'allais dire intelligent, c'est pas vraiment le mot que je veux dire non plus. non, pas intelligent, genre. Bon, en gros, on se démerde mieux. Voilà, on se démerde beaucoup mieux qu'eux, hein, quand je vois un peu les boulets qu'ils ont dans leur équipe. Vous voyez, ça, par exemple, c'est le genre de ville, ouais, c'est parfait. Ça, c'est une ville boulet, par exemple. Je sais pas, Odin. Eh ben dis donc, je sais pas si c'est pour mon pack, non, je crois pas du tout, mais voilà, ça c'est une ville boulet par exemple, je sais pas, Odin. Oh, ils ont des joueurs comme ça, nous on n'en a pas trop en vrai vers chez nous. On a quelques. Bien sûr, on a quelques boulets. Hein. Oh et donc deux villages, regarde, deux beaux villages de ville là. Hop. Et hop. Voilà, ça c'était joli. Mais ouais, Odin, ouais, donc pas terrible. Donc, en fait, les ennemis de manière générale, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins forts que nous. Ah, ça vite qu'ils vont m'attaquer, alors je vous laisse voir. Flemme de faire le montage et tout. Ah non, c'est pas cette ville-là, c'est Rayquaza, c'est une autre ville à moi. Bref, vous avez vu, il l'a attaqué, il s'est pris un mur, voilà, c'est cool, merci. Greg Solo. Greg Solo va m'attaquer plein de villes, je crois, Dédé aussi, et vous allez voir qu'ils vont réussir à rien mettre en révolte, sauf une ville qui s'appelle Rakantman. Alors, je bougerai pas les petits trucs de couleur parce que franchement, j'ai vraiment la flemme, mais. Les petits trucs de couleur, c'est les trucs que je mets en haut, en violet. En violet, en beige. Voilà, Dionysos s'était connecté, ça c'est un peu chiant. De toute façon, Genesos, ça, ses villes sont trop blindées. Cougar, il a des villes bien blindées aussi, une fois. Voilà, ça, c'est le genre d'attaque qu'ils m'ont envoyé, en fait. Et ça a été ça, genre. C'est. En plus, il a mis. Eh, mais il a foutu là des bonus. Mon dieu, non, mais c'est pas vrai. Ah, mais il a mis ça en plus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi il a mis un bonus de navire? En plus, il a mis que le bonus des navires? Alors qu'il n'y a même pas de na... il y a même pas de navire, en fait. Mais c'est n'importe quoi, genre, il n'y a aucun sens à ce qu'il a fait Greg Solo. Aucun sens. C'est. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il a fait. C'est pas bien grave. Moi, ça m'arrange bien, mais. D'ailleurs, j'avais regardé l'autre fois, on en parlait avec, avec dans mon alliance Florian Phoenix et Rito, c'était mon tuto, je sais plus quoi, c'était Ville Def. Et en gros, j'ai fait deux tutos, enfin attention, au cas où tu cherches un tuto. Alors, je pense que si vous cherchez un tuto sur les Ville Def, il y a très peu de chances que vous tombiez sur cette vidéo à exactement 18 minutes de vidéo. Il y a genre vraiment 0% de chance, d'ailleurs en parlant de Ville Def, j'ai envie d'en encore pas mal là. Oui, mais dis donc, c'est un beau massacre. Ah non, ça c'est moi qui me fais massacrer. Enfin, juste mes bateaux, fait chier, j'ai mes troupes qui devaient être sorties, j'ai pas dû faire gaffe. J'avoue que j'étais en train d'attaquer, j'ai pas trop fait gaffe. Quand j'ai vu que c'était Greg Solo tout qui m'attaquait, j'ai dit vas-y, on s'en fout. Ouais, il y a un tuto, genre j'ai fait deux tutos sur les Ville Def, et en un, je suis pas très content. Alors après, il passe, mais en gros, je m'étais bien fait chier à calculer le nombre d'unités, tout avec des pourcentages. Après, j'ai fait un autre tuto, je crois que ça doit être Ville Perma, finalement, j'ai fait le tuto. Et en gros, genre en fait, simplement, vous mettez un combattant à l'épée, un archer, deux hoplites. En gros, c'est un truc qui passe plutôt pas mal. C'est pas forcément le mieux, alors ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses en fait. Ouais, dans l'idée où vous faites ça, ça passe bien. C'est un petit tip que je vous donne comme ça. Vous faites du 1-1 et 2 avec les hoplites. Pourquoi pas? Mais je crois que j'avais fait le perma finalement. Il est mieux que le tuto du coup d'FTR. Après, bon, l'autre il marchait quand même. Hein. C'est pas forcément bien grave. Alors, on est à 15h sur les rapports. Bon, dans l'idée, on en a vu pas mal. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire encore une demi-heure de vidéo de rapport. De toute façon, déjà ceux du lendemain, on ne va pas les faire. On va s'arrêter au moment en fait où je prends les villes, hein, tout simplement. Je pense que ce sera pas trop mal. Ouais, vous voyez, on voit d'attaque de Dédé aussi qui m'attaque. J'avais envoyé, voilà, on voit plusieurs de mes gros sofs qui arrivent sur des villes de Dédé. Tout simplement, ce sont des villes d'habitude qui sont blindées. Donc je m'étais dit, je vais tenter les BF au même moment. Peut-être que ça va faire diversion et que je vais me faire un max de PC. Alors, visiblement, les villes de Dédé étaient vides. Donc mes BF sont revenus et c'est pour ça que le lendemain, tout simplement, j'ai renvoyé mes BF sur les villes de Cougar qui, elles, étaient blindées. Alors, là on arrive à 16h, donc là on est vraiment, voilà, il n'y a plus, quasiment plus que des BF à ce que je vois qui vont servir sur les vies ennemies. Donc ce que je vais faire, voilà, et puis il y a Cougar qui me lance avec Rakantman. Bon, Rakantman, grosso modo, ils ont vidé avec 60 attaques de full TER, allez, on va pas non plus passer 3 heures. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver un peu au niveau des sondages et des colos, tout simplement. Voilà, bah et tout simplement, regardez un petit peu. Voilà, c'est ça, regardez, ils ont attaqué Rakantman, mais pourtant il n'y avait aucune d'affaire. Ah oui, ce joueur m'a lancé mariage. Merci à toi, c'est très gentil. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est très gentil. Mais ce joueur m'a balancé
un paquet de trucs, un paquet de bordel. J'ai pas compris pourquoi ils m'ont balancé tout ça. Surtout que j'ai mis aucune. J'ai à peine levé la mise, genre j'ai fait aucun effort genre pour défendre la vie, quoi que ce soit. Ils vont tenter de la colo. Ah oui, ils vont tenter de la colo, c'est vrai. Ça va être beau. Ça va être très 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 beau. Ça c'est quoi? C'est moi qui vide des vides visiblement. Il y avait quoi sur Shenyang? Pourquoi il y a autant d'attaques? Bon, on va aller voir. Bon, ça visiblement c'est une ville qui avait du blindé, peut-être, je sais plus. Ça doit être une ville qui a du blindé parce que je l'attaquais plein de fois. Regardez, là, j'ai vraiment envoyé beaucoup d'attaques. Ah, j'avais plus de bonus, mince. Et ouais, j'avais plus de bonus, on voit plus de bonus. Bon, c'est pas grave, j'ai pas fait beaucoup de PC ici. Mais j'aurais pu en faire un peu plus du coup avec le bonus. Bon, en vrai, ça change vraiment pas grand-chose. Ah, vous voyez, il balance des sorts et tout, raconte vraiment, c'était vide, mais vide. Et après, j'aurais des colos. Donc, ça, les Cracovies, c'est celle que j'ai vidée. Tout simplement, j'ai vu qu'il y avait un max de troupes. Je me suis dit, bingo. Parce que mes troupes étaient revenues d'ici là. Vous voyez qu'il y a une des villes que j'ai sondées qui était vide, mais j'avais même pas les slots en fait, donc j'ai pas tenté beaucoup de villes. Alors, ça c'était le soir même, et le lendemain matin, je vais en retenter, de toute façon vous allez bien voir. Hop, ça c'est des sondages, des fois, ouais, il y a plein de villes, franchement, je suis sûr, il y a plein de villes que j'aurais pu les tenter. C'est juste, bah, tout simplement, ouais, j'avais pas les troupes, pas l'envie, forcément. La flemme. Alors, Styx, ouais, j'avais annulé le colo finalement sur Styx. Hein. Quand j'ai vu qu'il me l'a sondé, il était à 1 heure de route, au moins je crois bien, j'ai fait oh là là, je me suis dit c'est mort. Voilà, colo loupé, visiblement, il n'y avait pas grand chose dans la ville, dommage. Voilà, colo réussi ici, donc ça fait déjà une. Bon, on n'ira pas voir les colos du lendemain matin. C'est les mêmes villes que j'ai sondées, celle où il n'y a toujours pas de troupes, j'ai renvoyé des colos. Ah bah ça va être sûrement celle-là que j'ai réussi à prendre de Dacia là. Voilà, deuxième là, et la troisième, je l'ai pris le lendemain matin tout simplement. Alors ce que j'aimerais bien vous montrer moi c'est l'attaque qu'ils ont fait sur Rakantman pour tenter de me colo. Voilà, vous allez être prêts à rigoler. Regardez, à 1h30 du matin, Cougar balance un tremblement mental, on passe de 3 à 1, attention gros niveau. Là, ils me sondent la ville. À 2h45 du matin, il y a 1700 birèmes. Ça c'était le matin en plus, on avait beaucoup plus après, vous allez voir. Ouais, 1700. Et là, le lendemain, ils balancent un colo. Et en fait, il n'y avait pas 2000, mais il y a 27 000. J'arrive pas à choper le truc. C'est pas grave. Mais en gros, il y avait 27 000 birèmes. Et le mec, il m'a balancé un colo. Même quand il a sondé, genre quand il y en avait déjà 1200, à quel moment il s'est dit, en fait, je balance 3 trières. Vraiment, j'ai pas compris ce qu'il a fait. J'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, genre? Pourquoi il a fait ça, en fait? Incompréhensible. Et voilà. Et c'est tout ça pour ça. Ils m'ont balancé 60 attaques pour vider la ville, pour au final m'envoyer 3 trières, 150 harpies et un colo. J'étais mort de rire. J'aurais bien aimé qu'ils m'attaquent. Je me serais fait un max de PC gratos, hein, parce que les connaissant, à mon avis, ça aurait été joli. Le pire, c'est qu'il a mis des bonus, m'attendez. Mais oui, il a mis des bonus en fait. Ah non, mais ça, c'est pendant une semaine, ok. Force héroïque. Mais non, force héroïque, il l'a mis sur la ville. C'est-à-dire que le mec, comme il s'est dit, je vais mettre force héroïque, ça va passer. À 3 bateaux contre 27 000, genre il y avait littéralement 9 000 fois plus de bateaux. Chaque bateau devait en couler 9 000. Il s'est dit, ça va le faire. Genre dans sa tête, il s'est dit, c'est ça qu'il me faut. Genre, oh putain, pourquoi il a fait ça? Non mais, les gars, je suis dépassé. Bref, il s'est levé plus tôt le matin pour faire ça. Le pire, c'est qu'il s'est levé à 7h, à 6h45 du mat, ou un délire comme ça pour moi. Ils sont en attaque, hein. C'est inconcevable. J'ai jamais vu un truc pareil. Bref, ça resterait dans les annales celle-là. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est que nous on va arrêter l'épisode là. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les liens en description. Tout ça, vous connaissez la chanson. À vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à liker la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur Grepolis, donc le LP sur Belé, voire d'autres vidéos.